Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Minecraft, donc toujours dans le mode survie. Hein. Donc on se retrouve dans ma magnifique petite maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une nouvelle mine, on va créer une nouvelle mine. Hein. Donc on est parti. Donc j'avais dit que je creuserai la prochaine fois, j'en ai fait une ici. Il y en a une autre ici que je devrais faire. Et il faudrait aussi que j'aille creuser celle là-bas en bas. Enfin, hein, je vais en faire une, je vais en creuser une. Donc, ce qui serait bien, c'est que je me fasse quelques petites torches, histoire d'au moins d'avoir de quoi m'éclairer. Alors. Hop, hop. Torche, 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 torche. Il me faut du charbon. Est-ce que j'ai encore assez de charbon pour. Ouais, j'en prends 10. Et normalement j'ai assez de bâtons de bois, je vais en prendre, je sais pas, je vais en prendre 19, voilà. Je pense que ça me fera assez de torches, hein. Faut vraiment que je fasse le plein, comme ça on va, pendant une petite vingtaine de minutes, on va se trouver ensemble. Nous allons continuer notre péripétie. Ça me fait 40 torches là-haut, je pense que ça sera suffisant, hein. Donc je peux remettre ceci, ceci. Donc j'ai de la nourriture, j'ai une arme au cas où, j'ai des pioches. Et tout ce qu'il faut, donc nous pouvons partir à l'aventure. C'est parti. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos précédentes, ici j'ai creusé assez profond pour atteindre au moins la fin de la crevasse, hein, de la fameuse crevasse que j'ai aussi murée pour éviter que tous les animaux ne tombent à chaque fois dedans, ce qui me permet de garder mes animaux à côté de ma maison. Alors je ne sais pas par contre par où je vais commencer à creuser. Ou alors je vais carrément dans le fin fond de la crevasse ici. Et je commence à creuser quelque part là. Je ne sais pas. De toute façon je pense que je m'en ferai plusieurs. Donc on va peut-être commencer par ici là. Voilà, comme ça. Hop, allez c'est parti. De toute façon, il faut quand même commencer par un endroit. J'espère que je vais tomber sur des puits, des mines peut-être avec un peu de chance. Je suis déjà assez bas et en profondeur. Donc je pense que je pourrais trouver des trucs assez intéressants. Ce qui m'intéresserait bien, ce serait peut-être de l'or. Pour pouvoir faire après des pioches et tout ça. Du fer aussi. J'aimerais bien trouver du fer, de l'or. Des trucs un peu plus imposants, quoi. Bon, est-ce que je fais une petite ellipse pour commencer le truc? Parce que je sais pas si c'est très intéressant pour vous de voir ça à chaque fois. Ce que je peux faire, c'est peut-être une petite ellipse, histoire de creuser pour voir si je trouverais pas quelque chose de plus intéressant. C'est ce que je vais faire. Donc on se retrouve très très vite juste après, et je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai creusé, creusé, creusé et encore creusé. Donc j'ai trouvé quelque chose de très 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 intéressant qui va me faire vachement plaisir. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est assez profond comme vous pouvez le voir. Et c'est le diamant. Donc c'est le premier que je trouve dans le jeu. Donc quand je vais prendre une pioche, non, une pioche de fer. Voilà. Ce qui va me permettre de tailler le diamant. Oh, le premier diamant du jeu. Ça c'est cool. Voilà, diamant. Enfin cette partie en tout cas. Donc on est parti. Tiens, il y en a assez. J'ai lu aussi qu'il y avait une proximité de magma. Ah tiens, il y en a encore un sixième là. Avec le diamant. Donc on va éviter de creuser n'importe où. Donc j'ai trouvé aussi par contre de la redstone. Du fer. Hein, je peux tailler là maintenant. Voilà, hop. Donc redstone et apparemment de l'or aussi. Donc ça c'est très très bien. Hop, tiens, voilà. J'ai plein de redstone maintenant, non? J'ai un peu me trompé. 9 redstone et 6 diamants. Donc ça valait vraiment la peine. J'ai vraiment creusé beaucoup. C'était que de la pierre taillée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il doit certainement avoir un truc intéressant après. Et j'ai eu raison. Donc voilà, ça me fait plaisir. Donc je vais continuer à creuser ici dans ce truc, hein. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, hop, voilà. Je vais garder mes pioches de fer pour au cas où je trouverai d'autres diamants, hein, même si c'est peu probable. Probable, pardon, du fait que j'en ai quand même trouvé 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter dans ma maison, je vais mettre mes diamants,
Et voilà, ils sont là, un diamant. Je vais les mettre. Ça serait intéressant que vous me dites en commentaire ce qui serait intéressant de faire. Oui, je dis beaucoup de mots intéressants parce que c'est intéressant de dire intéressant. Non, ce serait bien que vous me dites le plus urgent à faire avec les diamants. Donc, est-ce que c'est les armures? Est-ce que c'est un alambic ou un modèle d'enchantement? Dites-moi en commentaire, ce serait sympa de me le dire. Et on se retrouve après. Donc, je vais continuer à creuser. Je vais remettre mes diamants. Et on se retrouve juste après pour la suite. À tout de suite. Alors, on se retrouve toujours dans ma fameuse mine que j'ai creusée, hein. Et j'ai eu la chance de trouver encore des trucs intéressants. Donc ici de la redstone, hein, qui est plutôt chiant. Je crois que je vais faire ça, que je vais prendre ma pioche de fer, ce sera plus pratique. Voilà. Il y a d'avoir énormément de redstone, ce qui est vachement vachement bien, hein, je peux m'en plaindre. Donc je récupère tout ça. Je pense qu'en offline je vais continuer à creuser ici, hein, puisque j'ai même trouvé ici un filon de charbon, très intéressant aussi. Donc je vais con... Oh, il y en a beaucoup en tout cas. Donc je vais continuer à creuser ici en offline. Je vais essayer de, pourquoi pas, de faire un truc vraiment un labyrinthe, parce que j'ai horreur de ça. Mais une bonne mine souterraine qui me permettra peut-être de trouver tous les matériaux dont j'ai besoin et en toute sécurité. Donc que demander de plus, hein. Je sais qu'on m'avait conseillé d'aller voir dans la mine. J'irai peut-être un jour, hein. Parce que dans la vidéo, j'avais fait une vidéo de... Ah oui, il n'y en a pas qu'un peu ici, hein. C'est super. On m'avait conseillé d'aller voir dans la mine pour trouver du diamant et tout. Je sais que j'aurais dû le faire, mais j'ai l'impression de pas être assez équipé. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé cette partie. J'ai l'impression de pas être assez équipé, de pas avoir ce qu'il faut pour y aller. On va parler d'un mob spawner, c'est possible? Enfin bref, un truc qui fait apparaître des mobs qui sont assez difficiles, il faut faire attention. Donc je préfère peut-être me faire des meilleures armes avec du fer ou le truc comme ça, si je peux en trouver, pour après justement pouvoir m'épanouir dans cette mine et ne pas mourir bêtement et perdre toutes mes affaires. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va peut-être s'arrêter ici, hein. Je vais pas continuer à creuser avec vous, je pense que c'est pas nécessaire. J'ai trouvé un très très gros filon de charbon, c'est parfait pour moi. Donc je vais continuer à creuser ici à mon aise. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit... J'aime le petit commentaire, hein. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, aidez-moi pour cette aventure. Donc je vais faire pause. Donc je vous dis à la prochaine, et salut tout le monde!